Ben, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Donc pour une vidéo de glitch. Donc le gameplay n'est pas de moi. Mais donc c'est pour le glitch, un glitch de duplication d'argent illimité. Donc vous pouvez le faire avec... En fait ce glitch avait été patché avant. Le glitch a été patché depuis un bon moment. Mais il marche maintenant. Donc vous allez voir. On va passer tout de suite à la méthode. Pour dupliquer un lowrider, c'est mieux parce que ça se revend plus cher. Il n'y a pas de souci de perdre d'argent. Donc il vous faudra un ou deux amis, enfin ouais un ou deux amis, il vous faudra trois garages, voilà. Si vous voulez faire trois duplications, vous mettez trois carrés de rebelles dans votre garage plein. Là vous explosez votre véhicule. Vous semez les flics. C'est bien qu'ils soient à côté comme cela, comme c'est fait dans la vidéo. Donc, il y en a un là ou un là, il en faut trois. Mais il faut qu'ils soient remplis. Après, vous prenez une voiture de la rue, vous la mettez dans votre garage. Voilà, vous mettez dans votre garage. Vous la mettez pas en fait. Vous mettez votre message, après vous allez rejoindre un ami qui est dans une activité. Enfin, il est dans votre partie session sur invitation, mais dans une activité, enfin, il attend dans l'activité. Dès qu'il sera dans l'activité, vous allez faire rejoindre la session. Là, vous pouvez pas le rejoindre, ça va vous renvoyer directement dans votre partie. Ah, donc là vous appelez le véhicule mort, votre véhicule est là-haut. Donc votre pote elle quitte l'activité et va chercher votre véhicule. Il vous le ramène, c'est mieux, voilà. Donc, une fois que vous l'avez ramené, vous prenez, vous mettez dans ce garage. Vous le remplacez par un carré de rebelle.
vous sortez après. Enfin, vous êtes dehors, vous allez voir que là, vous avez l'icône de votre véhicule, mais il n'est pas là. Il est invisible. Là, vous pouvez monter dessus et tout, mais il est invisible. Du coup, vous allez dire vous allez le pousser contre la route, sur la route, votre véhicule. Une fois qu'il sera sur la route, vous allez dire à un ami qu'il prenne un cargobob et qu'il essaye d'accrocher votre véhicule. Donc une fois qu'il sera accroché, il sera visible. Donc là, vous allez monter dedans, ça va vous taper dedans. Et là, vous pouvez redescendre. Votre ami vous lâche et vous pouvez redescendre. Maintenant, vous allez le mettre dans votre deuxième garage là-haut. Soit au garage plein aussi. Maintenant, vous le remplacez par un canon rebelle aussi. Voilà. Maintenant, vous ressortez sans rien. J'ai oublié de vous préciser que votre véhicule Lowrider, celui au tout début quand vous allez mettre dans le garage là, quand vous allez faire les manipulations, il faut qu'il vienne du troisième garage en fait. Voilà, donc maintenant vous allez pouvoir prendre celui-là dans votre premier garage. Maintenant vous allez dans le deuxième garage. Là c'était juste pour vous montrer qu'il y avait la duplication. Maintenant, vous allez dans le deuxième garage, vous avez mis votre duplication. Vous pouvez le prendre et aller le vendre. Et ne confondez pas à vendre le véhicule Lowrider. Si vous voyez qu'ils vendent plus d'un million et tout, il faut pas le vendre, ça sera pas la duplication. Il faut vendre le véhicule qui se vend 500 000, qui est la duplication. Si vous vendez l'autre, après vous pourrez plus faire des duplications. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant vous pouvez le revendre 500 000. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez, vous en avez tout plein. Voilà, donc si ces petites vidéos vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et lâcher un max... Voilà, allez bye!